Je vais juste donner deux cas de ces hommes que je rencontrais. D'abord, un pasteur d'une église locale ici à Bounia, et il a été pris esclave sexuel. Les milices, les femmes milices, l'obligeaient à avoir des rapports sexuels avec elles. Et puis, on les obligeait aussi de violer les autres prisonnières. Il a vécu ces situations pendant plusieurs mois. On les tabassait. Et il est rentré de là avec beaucoup de séquelles et des maladies aussi sexuellement transmissibles. Le pasteur m'a dit un jour, il a dit, vous me voyez passer, me promener, mais je suis mort à l'intérieur. Et après tout ce que j'ai subi, je n'existe plus à l'intérieur. C'est la barbarie. Nous-mêmes, ça nous a beaucoup affectés à attendre toutes ces histoires. J'ai eu vraiment des traumatismes. Je pouvais pas, chaque fois, je pleurais à penser à des actes comme ça qu'un être humain puisse commettre sur un autre être humain.